Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va finir le cours sur les variables dénombrables. On a déjà parlé de leur loi, l'espérance et leur variance, qui est le cœur de ce qu'on doit savoir faire. Mais en fait, on a plein de résultats qu'on connaît déjà pour les variables finies, qui se modifient légèrement pour les variables dénombrables et dont il va falloir parler. Les deux premiers, en fait, c'est un peu une arnaque que j'ai fait dans le cours de lundi-mardi. C'est tout simplement le transfert de loi et le transfert d'espérance. Alors pourquoi c'est une arnaque le transfert d'espérance? Mardi, j'ai fait à plusieurs reprises l'espérance de x carré ou l'espérance de xx moins 20. Et ces deux espérances-là, je les ai globalement calculées en faisant une somme pour x appartenant à x de oméga ici des x carré probabilité de x égale x. Et ici, j'ai fait une somme pour x appartenant à x de oméga de xx moins 1, probabilité de x égale x. Donc en fait, quand j'ai fait ça, sans vous le dire, parce qu'on savait le faire en somme finie, j'ai appliqué pour ces deux calculs-là du transfert d'espérance. Donc les espérances de fonction d'une variable aléatoire telle que vous les calculez comme ça, c'est du transfert d'espérance. On vous en demande pas forcément de le justifier à chaque fois. Je l'ai fait sans moi vous le faire ce petit point de cours-là, mais ça dit juste ça. Alors, il y a quand même une petite contrainte, et c'est ce qu'on avait fait dans le chapitre, c'est que la nouvelle variable qu'on fait par transfert d'espérance n'admet une espérance que si la nouvelle série converge. Parce qu'on n'est absolument pas sûr qu'en multipliant une quantité par xx moins 1 ou x carré, par exemple, dans les cas qu'on a fait, ça convergeait. Donc il faut bien sûr étudier la nature de la série. C'est bien une convergence absolue si jamais votre variable est à valeur négative, mais ça arrive pratiquement jamais. Voilà, donc ça c'est pour le transfert d'espérance. Je n'ai pas parlé de transfert de loi, on fera un autre exercice un peu plus tard, mais le transfert de loi, c'est juste dire que bah, si on crée une fonction y et une fonction d'une variable x, alors on peut calculer la loi de y par rapport à la loi de x. Alors, on va faire un exemple tout un peu bête, enfin pas bête, mais pratique. Je vais couper ça en noir pour que ce soit un peu plus clair. Je voulais juste prendre l'exemple de... En fait, c'est on lance une pièce non équilibrée jusqu'à temps d'obtenir pile. Donc par exemple, je vais poser x qui suit une loi... qui est une loi géométrique de paramètre P, donc c'est une loi de premier succès. Donc par exemple, on lance une pièce qui n'est pas équilibrée, qui a une probabilité de petit p de faire pile avec p dans 0,1, et on la lance jusqu'à temps qu'on obtienne pile. Donc dans ce cas-là, la variable x qui compte le rang d'apparition du premier pile suit une loi géométrique. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire qu'on va jouer à un jeu et que je gagne 1 euro si jamais le lancer auquel tombe le premier pile est pair, et je perds 1 euro si le lancer auquel tombe le premier pile est impair. Dans ce cas-là, je crée une deuxième variable y qui est moins 1 puissance x, tout simplement, parce que comme ça, si le lancer est impair, je perds 1 euro, si le lancer est pair, je gagne 1 euro. Donc cette variable y représente bien dans ce cas-là le gain, dans ce que je vous explique à l'oral. On a bien y qui est une fonction de x. La fonction petit g, ce serait la fonction petit g de petit x, ce serait du moins 1 puissance x. Et donc, comment on fait pour calculer la loi de y? Bah, tout simplement, c'est assez simple. Le support de y, tout simplement, ça va être bah, du moins 1 puissance avec x qui prend des valeurs entières. Donc, le support de y, ça va être soit moins 1, soit 1. Tout simplement, car x de oméga, c'est n étoile. Voilà, appartient, c'est égal, on sait, pour une loi géométrique, un rang d'apparition d'un premier pile. C'est du n étoile. Et puisque y d'oméga c'est moins 1, je n'ai qu'à connaître sa loi, qu'à calculer deux probabilités. La probabilité de y qui égale 1, par exemple. La probabilité de y égale 1, vous comprenez très très bien que c'est juste la probabilité de l'événement x est pair. Et donc tout simplement, ce que dit cette formule qui est là-haut, hein, c'est que je vais faire la somme pour tous les x appartenant à x de oméga. Tel que g de x égale 1 ici, vu que ce qui joue le rôle de a, c'est mon 1, tel des probabilités de x égale petit x. Puisque g de x égale 1 dès que petit x est pair,
En fait, cette somme-là, je peux la reprendre ici, je continue mon calcul là-haut, elle est égale à la somme, bah, pour simplement pour k égale, l'ancien paire, ça va être de k égale 1 jusqu'à plus l'infini, des, bah, quand la probabilité est paire, donc de la probabilité de que x soit égal à 2k, tout simplement. Voilà quelle est ma... quelle serait la loi de Y. Alors, ce transfert de loi marche forcément. Ici, je n'ai pas toutes les probas d'une géométrique, donc je sais forcément que ce nombre est inférieur à 1. Je sais même que c'est strictement inférieur à 1, vu qu'il y a du poids ailleurs. On peut essayer de calculer la probabilité de faire ça. Donc, on connaît la probabilité d'une loi géométrique de paramètre P. Sa loi, c'est tout simplement du P, 1 moins P puissance 2k moins 1 dans ce cas-ci. Normalement, c'est du k moins 1, mais comme on fait avec du 2k, ça fait ça. Pour calculer cette somme, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, je vais pouvoir sortir le p. Ça, ça va être égal à du p. Alors, je peux même sortir. J'ai 1 moins p puissance moins 1. Bon, alors, c'est un peu bête de le sortir, mais je peux diviser par 1 moins p puissance 1, du coup, et dire que c'est la somme pour k égale 1 à plus l'infini des 1 moins p puissance 2k, 2k, pardon. Je vais continuer le calcul après. Je vais effacer. Hop. Donc, je reprends. J'étais sur la probabilité de y égale 1. C'était un y. Hein. Et ça, ça me faisait du p sur 1 moins p, somme pour k égale 1 à plus l'infini des 1 moins p puissance 2k. Alors, je fais un petit calcul ici entre parenthèses, mais 1 moins p puissance 2k, vous devez le savoir, c'est du 1 moins p au carré puissance k. Et donc on a bien la, enfin on a bien un terme géométrique, hein, donc on peut faire calculer cette somme. Et donc, tout simplement, si je reprends le calcul ici, alors par contre, cette somme géométrique, elle commence à 1. Il y a plusieurs façons. Soit on fait un décalage d'indice, soit pour une fois, j'ai envie de changer. Ça n'a pas mené au même résultat, mais on s'en fiche un peu. Je vais faire châle ici pour faire apparaître ce que je veux. Je vais donc dire que c'est la somme pour k égale 0 à plus l'infini des 1 moins p au carré puissance k. Moins, comme j'ai fait apparaître le terme en 0 en plus, le terme puissance 0, ça fait 1, je vais faire du moins 1. Et voilà ce que ça me donne, cette somme-là étant une somme de référence. Maintenant, vous devez savoir que cette somme-là, elle fait 1 sur 1 moins la raison, donc 1 moins p au carré, moins 1. Alors après, on peut simplifier cette horreur si vous voulez, c'est pas forcément super intéressant, on pourrait s'arrêter là juste pour avoir la probabilité de y égale 1. Mais juste pour se rendre compte à peu près, si on simplifie, c'est une simplification vraiment remarquable à voir, je pense, c'est tout simplement que ça fait du 1 moins p carré plus 2p ici en bas. Attention, moins, j'ai tout développé, normalement il n'y a pas d'erreur de signe, moins 1. Donc si je. Donc ici clairement il y a une simplification, ça va me faire du 2p moins p. Donc ça, ça va me faire du p sur 1 moins p facteur de... Alors comme j'ai du 2p moins p, je vais mettre du 2 moins p facteur de p sur 1 moins 1. Je vais donc pouvoir tout mettre au même dénominateur dans le crochet. Ça va me faire qu'au final, je vais me retrouver avec, en dénominateur commun, du 2 moins p, du p, du 1 moins p. En haut, j'ai un p qui va être facteur de 1 moins 2 moins p fois p. Alors, si on développe un tout petit peu ce numérateur, ça va me faire du 1 moins 2p plus moins p carré. 1 moins 2p. Et je me retrouve avec non du plus p carré sur 2 moins p. P. 1 moins p. Et donc ça, ça fait du. P
facteur, donc bon, ça c'est juste un petit calcul, c'est une identité remarquable, c'est une factorisation d'un polynôme de degré 2, mais ça, ça fait du p moins 1 le tout au carré, et cet en bas, j'ai du p 1 moins p 2 moins p, j'ai clairement mes p qui simplifient, j'ai 1 moins p qui simplifie avec un carré, mais qui m'apporte un moins, donc au final, ça va me faire du 1 moins p sur 2 moins p. Donc la probabilité de que y vaut 1 fait du 1 moins p sur 2 moins p. On a donc la probabilité que y fasse moins 1 en disant que la somme de ces deux probabilités fait 1. Et donc on a fait un transfert de loi. Tout l'aléatoire de cette variable dépend complètement de la variable x. Et on peut transférer sa loi par un calcul de somme, encore et toujours. Voilà, je me suis permis de faire des calculs sur une somme infinie parce qu'on savait qu'elle était convergente. Et qu'on faisait juste une combinaison linéaire et qu'on connaît la valeur de la somme. Voilà pour cet exemple. Et voilà pour le transfert de loi. Rien de méchant. Le transfert de loi sera jamais plus méchant que ce genre de choses-là. On en fera un autre. Il y a un des exercices, je pense que c'est l'exercice 12 de mémoire. Je vais vérifier en même temps que je vous le dis. C'était quel exercice qu'on avait attaqué? C'était l'exercice 12 où on vous demande de faire un transfert de loi derrière. Non, pas tout à fait. C'est pas l'exercice 12. C'est l'exercice 13. Dans l'exercice 13, il y a un petit transfert de loi classique simple qu'on verra qu'il faut savoir faire. Voilà pour ces deux résultats de cours là et pour vous les illustrer, même si ça ne change strictement rien à ce qu'on faisait déjà en probabilité finie. Alors, parlons de la suite du cours et de deux petits résultats classiques qu'on va utiliser. De façon... Alors, pourquoi c'est pas apparu? Qu'est-ce qui se passe? Ah, si, c'est bon. Oula, j'ai le droit de le faire... Non, je ne voulais pas écrire dessus. Bon, c'est pas très très grave. C'est le transfert affine et le notion de variable centrée réduite. Alors, variable centrée réduite et centrée réduite, je vous laisse reprendre ça, c'est exactement la même définition qu'en termes de variable finie. Sauf qu'il faut que les variables admettent une espérance et une variance pour que ça existe, bien sûr. Mais moralement, ces variables centrées réduites, vous ne vous en servirez que l'année prochaine quand vous ferez des stats. Donc pour cette année, je dois vous le définir. Voilà les définitions, lisez-les proprement, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. En ce qui concerne le transfert affine, si on n'en change rien, vous savez déjà que l'espérance... Oups, je suis en train de déplacer les choses. Vous savez déjà que l'espérance de AX plus B, ça fait à fois l'espérance de X plus B. Hein. Ça ne change pas. Vous savez en termes de formule que la variance de AX plus B, c'est A carré fois la variance de X. Ces formules-là n'ont pas changé depuis les probas finies. Par contre, la petite subtilité qui est toute bête et qui est logique à cause de ces formules, c'est que il n'y a pas besoin de vérifier la convergence. Ce que je veux dire, c'est que si ce symbole-là existe, si il existe, cette formule est vraie et donc cette espérance-là existe nécessairement. De même, si ce symbole-là existe, alors nécessairement ce symbole-là existe. Donc si vous arrivez à établir l'existence de l'espérance ou de la variance d'une variable x, vous n'avez aucun doute sur l'existence ou de l'espérance ou de la variance de la combinaison linéaire de cette variable. Ce qui est logique, c'est parce que ce sont des séries, et on sait que la combinaison linéaire de deux séries convergentes est une série convergente. Donc c'est vraiment juste ce principe-là. Donc rien de particulier, rien de nouveau, c'est vraiment juste, il faut que je vous en parle parce que c'est officiellement au programme, mais on n'a rien vu de nouveau. Alors... on va parler du premier résultat qui est, lui, par contre, ultra important et qu'il faut qu'on sache manipuler et qu'on va manipuler à tour de bras et qui est la seule formule qui est reprise, modifiée et qu'il faut qu'on manipule bien. C'est la formule des probabilités totales. Alors, pourquoi je dis que c'est la seule formule qui est modifiée? Tout simplement parce que... la formule des probabilités composées ne s'applique que dans le cas des probabilités finies. On verra la généralisation de la formule des probabilités composées quand on sera venu en classe ensemble. Ça s'appelle le théorème de la limite monotone en proba.
C'est un petit théorème de proba, voilà, qui n'a rien à voir avec les variables aléatoires. Mais par contre, la notion de formule des probabilités totales sur les variables aléatoires, on verra aussi une formule des probabilités totales en proba générale, mais sur les variables aléatoires réelles discrètes, elle est très 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 utile. Donc, il faut qu'on en parle tout de suite. Donc première chose, vous le savez déjà, ça n'a pas changé. J'en avais parlé de cette propriété neuve déjà dans le cours du samedi avant le confinement. C'est tout simplement que si x est une variable aléatoire discrète, donc maintenant quel que soit son cas, fini ou infini, l'ensemble des événements x égale a pour a dans le support est un système complet d'événements. Donc si je fais un exemple, si x suit une loi géométrique de paramètre p, l'ensemble des événements x égale n pour n appartenant à n étoiles, puisque ceci est le support d'une loi géométrique, est un système complet d'événements. Donc imaginons que vous ayez un événement à calculer d'une probabilité quelconque, un événement P de A, vous pouvez le calculer en faisant la somme pour n égale 1 à plus l'infini des probabilités de sachant x égale n de A, fois la probabilité de x égale n. Voilà, c'est ça le principe du système complet d'événements et de la formule des probabilités totales. Donc, ça c'est pour un événement A quelconque. Très souvent, nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand on va avoir deux variables x et y. Alors, ce que ça nous garantit, c'est que, en plus, ça nous garantit autre chose, ceci est une série. Et ce que ça nous garantit, c'est que c'est une série convergente. Donc ça nous dit que cette série-là est convergente et que sa somme, donc tout simplement la probabilité de y égale petit y, c'est tout simplement la probabilité dont je vous ai écrite ici, qui est la même que celle-ci à droite, et qui est la même que la probabilité des intersections. Alors cette propriété-là, maintenant qu'on l'a en variable à support quelconque, on peut s'en servir beaucoup beaucoup plus. On n'avait pas beaucoup de lois de référence à mélanger entre elles pour les variables finies, on avait l'uniforme, la binomiale, et la Bernoulli, enfin, la Bernoulli étant vraiment très très bête, maintenant qu'on a deux lois à série en plus, on peut vraiment étendre la gamme d'exos qui vont utiliser cette formule à tour de bras de façon assez exponentielle. Donc faisons-en un tout de suite pour expliquer ça, et faisons l'exercice tout simplement. On va le retrouver tout de suite, c'est juste pour faire un truc classique. Faisons l'exercice 7. Alors, j'ai pas réussi à sélectionner, excusez-moi. Donc, hop, je prends ça. On va effacer ça. Voilà, on va faire copier l'exercice 7. On va le décaler pour qu'on le voit. Voilà. Pour qu'on puisse garder ça, je vais me permettre de faire ça. Ce qui va faire bugger 10 secondes l'image, mais c'est pas grave. Donc, on vous donne une variable x qui suit une loi de Poisson. Donc c'est nouveau, hein, mais une variable x qui suit une loi de Poisson, ça veut dire deux choses. Son support, c'est n, une loi de Poisson de paramètre lambda. Et on sait en plus que la probabilité de x égale petit n, c'est tout simplement du exponentiel moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel. Donc ça c'est la loi de x. On vous dit ça, donc on a une variable x qui vérifie ça. On a une deuxième variable où on vous dit, alors c'est pas précisé, j'aurais dû le préciser dans l'énoncé, que pour tout cas appartenant à 0n, la probabilité de x sachant de x égale n de y égale k, c'est une loi tout simplement binomiale. Donc cette notation-là, vous n'avez pas à la connaître derrière, mais en gros ça dit que la loi de y égale k, sachant l'événement x égale n, suit une loi binomiale de paramètre np. Enfin, ce n'est pas y égale k, c'est la variable y qui suit une loi BNP. Mais en gros, ce qu'on sait, c'est que la probabilité de x égale n, c'est ça. La probabilité de y égale k, sachant x égale n, c'est ça. Et on vous demande, calculer, montrer que la loi de y suit une loi de Poisson de paramètre p lambda. Alors, ça, c'est la conclusion pour vous guider un petit peu, mais en gros, ce qu'on demande, nous, c'est la loi de y.
Alors, première question pour avoir la loi de Y, c'est quoi Y de oméga? Alors, faut bien comprendre que on a la probabilité que Y vaut K quand X vaut N, qui est une binomiale, mais N ici peut prendre n'importe quelle valeur entière. Donc, ce qu'on pourrait par exemple écrire, c'est que quel que soit N appartenant à grand N, je vais pas l'appeler N, donc je vais l'appeler K, par exemple, quel que soit K appartenant à grand N, si X égale K, la probabilité, sachant X égale K, de Y égale K est non nulle. Elle fait tout simplement du... Oula, il y a une faute ici, c'est du K parmi N, excusez-moi. Elle fait tout simplement du K parmi K, P puissance K, 1 moins P puissance 0. Et donc elle fait tout simplement P puissance K, cette probabilité est strictement positive, ce qui implique que K appartient à Y de oméga. Comme Y prend des variables, des valeurs entières, clairement, ça montre aussi, on sait aussi d'un autre côté, que Y de oméga est inclus dans N. Donc au final, ces deux informations entre elles nous donnent bien que Y de oméga est égal à N. Donc première chose, le support de la variable Y est bien compatible avec une loi de Poisson. Ok. Continuons un petit peu pour les calculs de loi. Comment va-t-on faire le calcul de loi? On va prendre alors encore une fois, on va prendre un cas quelconque appartenant à grand N maintenant, et on va vouloir calculer la probabilité de Y égale K. Alors, on est tout à fait, puisqu'on connaît une loi conditionnelle dans le cadre de notre application du théorème, enfin de la formule des probabilités totales, sauf qu'il faut le faire correctement, donc on applique l'AFPT, et il faut pas dire sur un SCE, c'est sur le SCE, il faut le préciser. Alors clairement, le SCE, c'est celui qui apparaît ici dans le conditionnement, x égale n, n appartenant à n. Si on a besoin, c'est tout simplement parce que x de oméga égale grand n. Donc on sait qu'on a pris tout le support de x. J'ai envie de mettre, on va quand même préciser, et x égale a pour x, pour a appartenant à x de oméga, est toujours un SCE. Si vous avez besoin de justifier, si vous sentez le besoin de justifier, c'est ça, mais ça me va très très bien dire que ceci est un SCE sans aller plus loin. Donc si on applique la formule maintenant brutalement, ça fait la probabilité pour y égale k. C'est la somme pour n égale 0 à plus l'infini de la probabilité de, sachant x égale n, de y égale k, fois la probabilité de x égale n. Alors, c'est une somme infinie. Alors que ici, puisque c'est une loi binomiale, je l'ai bien marqué, enfin dans la page d'avant, c'était qu'on a cette probabilité-là, c'était pour tout cas appartenant à 0n. Donc il y a une première chose, c'est que si k strictement plus grand que n, la probabilité, sachant x égale n, de y égale k, tout simplement, c'est pas qu'elle n'existe pas, faut vraiment que vous arriviez à vous mettre ça en tête, c'est qu'elle est nulle. Cette probabilité-là est nulle, clairement, tout simplement parce que une binomiale ne peut pas dépasser n. Donc si x a fait n, la variable y ne pourra pas aller plus loin. Et du coup, cette somme, on peut la réécrire comme la somme, tout simplement. Donc, si k est plus grand que n, ceci ne marche pas. Donc cette somme commence, voilà, de n égale k à plus l'infini, pardon, de la probabilité de x égale n, y égale k, fois la probabilité de x égale n.
on a bien dans ce cas-là que n est toujours supérieur ou égal à k, et on a bien la bonne formule ici. Donc c'est ça qu'on doit calculer, c'est cette série-là, on sait qu'elle est convergente par application de la formule des probabilités totales, donc il n'y a pas de souci. On va l'écrire cette série, c'est la somme pour n égale k à plus l'infini des... donc il faut écrire maintenant les termes, hein, c'est tout simplement ça. Donc la loi binomiale, c'est une... Donc c'est du k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Je vais reprendre. Je vais faire quelque chose pour qu'on l'ait dans un coin ce calcul. Allons-y. Alors, je vais donc dire que c'est la somme pour n égale k à plus l'infini de k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k, fois la probabilité, donc exponentielle moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel. Voilà, on a cette somme, il faut continuer le calcul de cette somme. Pour ça, je vais tout simplement effacer ça. Maintenant qu'on est dans le calcul de loi, je n'ai plus besoin vraiment de l'énoncer. Hein. Tout simplement parce que on sait qu'une fois qu'on a fini le calcul de la loi, ce qu'on doit trouver, et on a fini l'exercice. Donc maintenant, la probabilité, donc je reprends de y égale k, ça devient... Alors qu'est-ce que je peux faire de ces termes à l'intérieur de cette somme? L'exponentielle moins lambda ne dépend de rien, je vais le sortir. Je vais avoir une somme pour n égale k à plus l'infini. Et comment je peux modifier ces termes-là? Le p puissance k aussi ne dépend pas de la somme, je peux le sortir. Oui, attention, la somme dépend de n, pas de k. Je vais garder le reste pour le moment. Alors, j'ai du n factoriel ici au dénominateur, et j'ai du k parmi n. Une chose qui me paraît utile, c'est que je vais transformer mon k parmi n en ceci. Tout simplement, comme ça, je peux mettre mon 1 sur n factoriel, et je vois une simplification qui va apparaître. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Pour le moment, il me reste du 1 moins p puissance n moins k, et du lambda puissance n. J'aimerais bien les regrouper ensemble, ceux-là, mais à cause de la puissance moins k ici, je suis un petit peu gêné. Donc il va falloir que je gère cette puissance moins k. Parce qu'avec les règles sur les puissances, j'ai pas le même terme ici, c'est non regroupable en l'état. Donc il faut que je modifie légèrement mon calcul. Ça c'était juste pour souligner ce truc-là. Donc j'ai du exponentiel moins lambda, du p puissance k. Je peux sortir du coup, vu que ça ne dépend pas de n, du 1 moins p puissance moins k. Je vais faire une somme pour n égale k jusqu'à plus l'infini. Je peux simplifier ces termes-là. Ça me fait du 1 sur kn moins k. Pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose d'autre que ça. Et ce que je peux faire maintenant, c'est que j'ai du 1 moins p puissance... Pardon, c'est pas puissance k. J'ai du 1 moins p lambda puissance n. Voilà. Donc, il me reste à... modifier légèrement ça. Ce que je vais faire, c'est peut-être tout simplement, j'ai aucune somme de référence qui commence à un indice k, donc je vais peut-être poser un changement d'indice. Je vais poser tout simplement i égale n moins k. Si je pose i égale n moins k, alors je modifie un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ce 1 moins p puissance moins k, c'est juste pour essayer de condenser un petit peu en largeur l'écriture, je vais l'écrire sur p puissance k. Je vais faire une somme pour i. Alors, si je fais du n moins k, c'est le but, c'est que i commence à 0, quand même jusqu'à plus l'infini. Et j'ai ce 1 sur k factoriel que j'aurais pu sortir depuis un moment de la somme. J'ai oublié de le faire. J'ai du n moins k qui devient exprès du i factoriel. Et maintenant, j'ai du 1 moins p lambda puissance n qui devient du k plus i. Donc, si je sors un peu tout ça... Si je sors un peu de ce qui ne dépend pas de i maintenant, je vois un peu mieux, ça me fait tout ça. Ce qui ne dépend pas de i, c'est donc fois, j'ai un 1 sur k factoriel qui sort. Ici, j'ai un 1 moins p lambda puissance k qui sort. Et il me reste une somme pour i égale 0 à plus l'infini des 1 moins p lambda de tout puissance i. C'est pas égal, c'est un fois tout puissance i sur i factoriel. Je vais
c'est maintenant notre résultat avant qu'il gêne. Voilà, on a quasiment fini ce calcul. Il faut se rendre compte de quelque chose qui a à voir avec le cours maintenant. Cette somme, vous devez apprendre à la reconnaître maintenant. C'est clairement un terme puissance i divisé par i factoriel et je vais de 0 à plus l'infini. Ça, c'est la définition de la série. C'est égal à exponentielle de 1 moins p lambda. Donc, je vais reprendre ce calcul-là là-haut. J'ai oublié de faire... je vais tenter quelque chose, sinon au pire, tant pis. Hein, je sauvegarde ça et je vais le reprendre après. Je vais réécrire. Donc, mon calcul, c'était exponentielle moins lambda. J'avais du 1 moins p puissance k. J'avais p puissance k. J'avais 1 moins p lambda puissance k. J'avais pu sortir un 1 sur k factoriel et j'avais pu sortir encore. Et maintenant, fois exponentielle de 1 moins p lambda. Ok. Petit bug, désolé, j'ai dû reprendre, couper et reprendre. Voilà ce qu'on venait d'obtenir à la ligne du bas pour ce calcul. Donc la probabilité vaut ce nombre-là. Et donc, tout simplement, maintenant, on peut essayer de faire des simplifications de ces choses-là. Ici, j'ai du 1 moins p puissance k. J'ai du 1 moins p puissance k là-haut. Donc, on va juste redévelopper un tout petit peu les choses de façon un tout petit peu différente. J'ai du 1 sur k factoriel que je vais garder devant. J'ai du exponentielle moins lambda plus 1 moins p lambda. Il faudra le simplifier, cette exponentielle, si je regroupe les deux exponentielles ensemble. J'ai tout ensuite sur la puissance k, j'ai du p 1 moins p lambda sur 1 moins p, le tout à la puissance k. Donc clairement, ici, si je simplifie les puissances, j'ai du moins lambda plus lambda moins p lambda, donc il me reste du exponentiel moins p lambda. Et ici, j'ai de moins moins p qui se simplifie, j'ai du p lambda puissance k. Ceci, c'est exactement la loi, enfin le... la probabilité d'une loi, ça dit exactement que y suit une loi de Poisson de paramètre p lambda. On a bien le p lambda à la puissance k, on a l'exponentielle moins, on a le k factoriel. Donc ça, c'est bien que la fin du calcul est la preuve qu'on a bien une loi Poisson de paramètre p lambda. Donc voilà un exercice assez classique maintenant sur la FPT qu'il va falloir savoir faire. On va réappliquer sur plein de situations, dans plein de cas, et on va essayer de déterminer ce genre de choses. Autre exercice et autre point de cours, qui est le dernier de la semaine, pour conclure, c'est tout simplement, alors là par contre, je vais être clair, c'est du hors programme, c'est des choses dont vous allez parler dès la deuxième année, c'est normalement, l'indépendance de variables aléatoires. C'est tellement pratique et tellement pas cher que ça nous bloque un maximum d'exercices si on ne sait pas le faire. C'est quand même bizarre qu'on sache faire des variables dépendantes ici, entre x et y, cette variable était dépendante, mais qu'on ne sache pas faire des variables indépendantes, ça paraît bête. Donc on va écrire la propriété de courbe, tout simplement. Ah bah maintenant il a bien voulu me copier mon image, ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Donc on va copier ça en presse-papier plutôt. On va faire supprimer et on va faire du contrôle. Donc la dernière propriété que j'ai écrite comme ça dans le poly, c'est que deux variables aléatoires sont indépendantes si et seulement si la probabilité de x égale y inter y égale j, ça fait le produit des probabilités. Il n'y a pas de égal ici, je corrigerai dans le poly, il y a un bug. C'est le produit des probas. On le note, je l'ai noté comme ça ici, mais bien sûr, si j'ai deux variables et que je fais le produit de x supérieur ou égal à x inter, je vais dire n'importe quoi, y plus petit que y, ça marche aussi. Cette probabilité-là, si elles sont indépendantes, ça fait tout simplement la probabilité de x plus petit que x, enfin plus grand que x, fois la probabilité de y plus petit que y. Alors, tout découle de ça, mais donc, bref, on peut transformer les indépendances, quand les variables sont indépendantes, on peut transformer les intersections en produits d'événements.
Et pareil, la vraie définition que vous aurez l'année prochaine, c'est que si on a x1, par exemple, appartient à un intervalle i, donc c'est, ça c'est un intervalle x plus l'infini, hein, donc ça marche très très bien. Si vous avez x1 appartient à i, x2 appartient à i, jusqu'à, et on va jusqu'à xn appartient à i, et qu'elles sont toutes indépendantes, enfin, plutôt x1 appartient à i1, x2 appartient à i2, xn appartient à in, et qu'elles sont toutes indépendantes, alors la propriété de l'intersection c'est égal, tout simplement la propriété que x1 appartient à i1, et on va continuer comme ça, fois, et on va aller jusqu'à fois la probabilité que xn appartient à in. Donc c'est une règle toute bête, vous le savez déjà, mais officiellement, en termes de variable aléatoire, on n'a pas à la connaître. Alors on va voir que ça prive d'exo pas si compliqué que ça, classique, que j'aime bien vous faire montrer dès la première année pour vous les temps de les digérer en deuxième année, sur les variables indépendantes et qui sont tout à fait abordables et qui ne coûtent pas grand-chose à part le fait d'admettre qu'on peut faire ça. Alors on va en faire un tout de suite. Alors voici un exercice où on doit faire classiquement ce genre de choses. Donc typiquement, on sait que x suit une loi de Poisson. Donc ce qui veut dire deux choses, ça veut dire que x de oméga c'est égal à n et que la probabilité de x égale petit n, tout n appartenant à grand n, c'est du exponentiel moins lambda, lambda puissance n sur n factoriel. On sait que y de oméga, puisque ça soit une loi de Poisson de paramètre mu, c'est du n, et que la probabilité de y égale k, si je change de lettre, ça fait du exponentiel moins lambda, moins mu, c'est un paramètre mu, mu puissance k sur k factoriel, et ce qu'on veut, c'est montrer que pour la variable z de oméga, qui est la somme des deux, z de oméga, ça fait toujours n, et que la probabilité de z égale change de lettre, encore z égale petit grand z égale petit z, ce soit tout simplement exponentielle moins lambda plus mu puissance z sur z factoriel. Donc c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on veut au bout. Comment on fait ce genre de calcul? C'est juste un tout petit truc qu'il faut avoir en tête, c'est une décomposition de l'événement. On va vraiment vouloir prendre pour tout z appartenant à n, et on va vouloir décomposer l'événement. Quand est-ce que z vaut petit z? Alors là, ça va vraiment nous aider que les deux variables sont positives, parce que pour qu'une somme de deux nombres fasse 4, si les deux nombres sont positifs, vous n'avez pas beaucoup de choix. Ça fait soit 0, 4, soit 1, 3, soit 2, 2, soit 3, 1, soit 4, 0. Donc en fait, ce qu'on peut toujours dire, c'est que l'événement z égale z, c'est l'union. Par exemple, on va sommer pour x. Donc, par exemple, c'est l'union pour n égale 0 jusque z de l'événement x égale n inter. Y, si on veut que la somme fasse z, ça doit être faire du z moins n. Et ce qui est bien, c'est que comme n est plus petit que z, ça c'est bien un nombre positif, ça c'est bien un nombre positif. Et on a bien une décomposition de notre événement z en événement qu'on maîtrise. Du coup, si on sait que l'événement z égale petit z s'écrit comme ça, la probabilité de z égale petit z, ça se calcule tout simplement comme... Alors, cette union, elle est clairement disjointe vu que x prend des valeurs différentes. Alors, comme c'est une union disjointe, ça fait la somme pour n égale 0 jusque grand z des probabilités de x égale n inter y égale z moins n. Maintenant, les variables étant indépendantes, et c'est pour ça que j'ai besoin de cette propriété pour ce genre d'exercice, n va de 0 jusqu'à z de la probabilité de x égale n fois la probabilité de y égale z moins n. Je vais pouvoir continuer le calcul là-haut, on va tout effacer, c'est pas très très grave, on n'a pas perdu grand-chose. Donc la probabilité de z égale petit z, tout z appartenant à n, c'est tout simplement donc la somme pour n égale 0 jusqu'à grand z des
Alors, la probabilité que x égale n, on l'avait écrite, c'est exponentielle moins lambda puissance n sur n factorielle, fois exponentielle moins mu. Et là, on avait du mu puissance, et c'est forcément du z moins n sur z moins n factorielle. Alors, on va réécrire cette somme un peu mieux. Je vais même effacer tout simplement pour gagner de la place, parce que je vais sortir quand même tout ce qui ne dépend pas de n de cette somme. Qu'est-ce qui ne dépend pas de n? Je vais sortir mon exponentielle moins lambda, mon exponentielle moins mu. Ici, je vais garder temporairement tout le reste à l'intérieur. J'ai une somme pour n égale 0 jusque z, des lambda puissance n, mu puissance z moins n. J'ai mis des parenthèses ensuite pour la puissance, et j'ai du 1 sur n factoriel fois 1 sur z moins n factoriel. Alors les notations sont un tout petit peu particulières, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ça ressemble presque à un coefficient du binôme de Newton. Et que dans ce qu'on veut obtenir, on veut du lambda plus mu puissance n. Et que lambda plus mu puissance n par binôme de Newton, alors puissance z justement, si on veut, ce qu'on veut obtenir c'est du lambda plus mu puissance z, ça ferait une somme pour, alors si je mets un indice qui n'est pas là, k égale 0 jusque z, des k parmi z, lambda puissance k, mu puissance z moins k. Donc on se rend compte qu'on a quasiment ce qu'il faut, sauf que l'indice k s'appelle n ici, et il nous manque un n factoriel, un z factoriel là-haut pour pouvoir écrire notre coefficient du binôme. Donc si maintenant je force du z factoriel sur z factoriel à apparaître qui ne dépend pas de n, je peux écrire ça, c'est du exponentiel moins lambda plus mu, clairement. Sur z factoriel, somme pour n égale 0 jusqu'à z des lambda puissance n, mu puissance z moins n. Et ici, je m'appelle du z factoriel sur n factoriel, z moins n factoriel, qui fait du n parmi z. Donc ça me fait du exponentiel moins lambda plus mu sur z factoriel fois la somme pour n égale 0 à z des n parmi z lambda puissance n mu puissance z moins n. Ceci, vous devez reconnaître exactement la formule du binôme, qui vous donne du lambda plus mu puissance z. Au final, ce calcul donne bien, je vais conclure ici ce calcul, il est égal à exponentielle moins lambda plus mu sur z factoriel lambda plus mu puissance z. On a bien prouvé que z suit une loi de Poisson de paramètres lambda plus mu. Alors, j'en profite pour faire une remarque, je n'ai pas parlé du support ici, j'ai directement lancé dans des calculs de proba via mon égalité d'événement, puisque pour tout z appartenant à n, j'ai cette proba-là, je reconnais une loi de Poisson. Instantanément, toutes les probas sur n sont positives et leur somme fait 1. Donc, j'ai pas besoin de prouver qu'il n'y a pas d'autres valeurs à prendre pour z, son support c'est forcément n. Donc voilà les notions qu'on va voir vendredi et toute la semaine prochaine. On va uniquement faire des petits exos comme ça qui vont manipuler ces calculs d'espérance, ces calculs de variance, ces calculs par probabilité totale ou par indépendance. Et si on a ces quatre règles en tête, vraiment on peut faire un nombre d'exercices maintenant parce qu'on augmente notre nombre de lois et qu'on connaît les séries et qu'on sait faire plein de choses, on augmente de façon drastique tout ce qu'on est capable de faire sur ce genre de choses. Voilà pour ça, pour ce cours. Bonne journée.